j'étais très heureux qu'on me propose de participer. J'en avais même rêvé, donc je me suis dit, ça m'intéresse beaucoup parce que, au point de vue familial, par des engagements personnels, par exemple, je suis visiteur de malades à l'hôpital, donc ces questions-là de vie et de mort m'intéressent beaucoup. On en a déjà discuté en équipe, d'ailleurs, en différents lieux, en fait. Je pense à, évidemment, le développement des soins palliatifs. Je vois déjà que les moyens financiers disponibles sont vraiment maigres. Donc, il y a un gros travail à faire. J'ai même entendu dans un groupe, quelqu'un m'a dit « Il faut développer les soins palliatifs, d'accord, mais comme il n'y a pas de moyens financiers, il faudrait que l'aide active à mourir, ça soit dans le cadre des soins palliatifs », ce qui paraîtrait un peu paradoxal quand même. Ouais, il m'est venu à l'esprit hier soir un poème d'un poète anglais du XVIIe siècle qui dit ceci: « Nul homme n'est une île entière par elle-même. Chaque homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble. Quand la mer emporte au loin une motte de terre, l'Europe est diminuée. C'est comme si on touchait à la maison de mes amis ou à la mienne. La mort de tout homme me diminue parce que je suis imbriqué dans l'humanité. Et donc, ne cherche pas à savoir pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. » Ça fait penser autrefois, on sonnait le glas dans les campagnes, on entendait la cloche, oh, ça doit être un tel qui est mort. La mort de tout homme me concerne. J'en ai parlé tout à l'heure aux garants qui m'ont dit, ce texte est très intéressant, mais il est orienté, en ce sens qu'il insiste sur les solidarités. Sortir de la vie, je ne sors pas tout seul, je mets d'autres personnes en cause. Voilà, c'est une des questions qui n'a pas été un peu abordée, mais qui me paraît très intéressante. Qu'est-ce que je ferais moi-même? Moi, je suis pour les soins palliatifs. Est-ce que s'il y avait une douleur impossible à contrôler, est-ce que je n'accepterais pas, moi, aussi d'entrer dans un nouveau processus? Ouais. On est dans une société de nouvelles libertés, et il y a une très forte revendication. Ça sera une grande nouvelle loi de liberté. Voilà. Bon, c'est passionnant, les échanges sont très intéressants. Je suis très sensible, avec mon âge évidemment, je suis très sensible à la participation des jeunes qui interviennent dans le débat, qui ont des idées précises, qui sont souvent des rapporteurs au moment des rassemblées générales dans l'hémicycle. Voilà, ça me paraît être très intéressant, oui, oui. Je ne sais pas si on va revenir encore sur les moyens de formation et les moyens financiers pour développer les soins palliatifs. Beaucoup sur l'information, j'aimerais qu'on aboutisse à des choses concrètes sur le terrain, pour que les gens, dans les villes, dans les campagnes, aient un moyen de savoir ce qui existe sur les soins palliatifs, peut-être sur l'aide à mourir, que la population soit sensibilisée et qu'elle trouve des lieux matériellement, des lieux d'information, sans parler des moyens numériques évidemment, hein, bien sûr, des émissions de radio, de télévision. Dérangé parce que l'unanimité des prises de position non religieuses ce matin, toutes pour l'euthanasie, bon, avec une certitude absolue, sans limite, bon, ça me dérange, avec cette idée justement, nul homme n'est une île, si vous voulez. Creuser, je voudrais que j'en découvre un peu plus sur les maladies, les souffrances insupportables, non contrôlées, ou les situations psychiatriques, enfin tout ça. Il y a encore à travailler pour moi. Enfin. Solidarité.